Nous sommes un mouvement révolutionnaire. Mais nous ne croyons plus à la révolution. Nous n'y croyons plus pour la raison que l'espoir de changer la vie, qui depuis des siècles anime des mouvements comme le nôtre, a chaque fois été détruit par ses propres animateurs. Nous devrions en déduire qu'il faut éliminer les chefs. Mais leur rôle est à la fois indispensable et néfaste. Moins néfaste toutefois aujourd'hui que celui des médias. Nous devons prendre avant tout conscience de l'occupation mentale qu'ils exercent et faire en sorte que notre cerveau ne leur soit pas disponible. Nous risquons ici cette question. Quel rapport avec la révolution? Aucun. Sinon que c'est le principal moyen de la rendre impensable. Nous supposerons que si vous êtes ici, c'est que vous luttez déjà sur ce terrain. Nous en concluons que nous partageons la même opinion et que nous sommes d'accord pour déclarer que le pouvoir aujourd'hui a pour arme efficace le remplacement de la culture par la consommation, ce qui réduit la politique à des traités de libre-échange, puisqu'elle est entièrement soumise à l'économie. Nous savons que notre pensée, que l'exercice de notre pensée n'a aucune place dans ce monde-là. Nous vous invitons, considérant cette situation, à rejoindre notre mouvement sans aucune illusion. Notre action est désespérée. Et c'est du seul désespoir qu'elle tire sa force et sa nécessité.
Nous pensions que cette petite mise au point serait froidement accueillie. Ce ne fut pas le cas. Des groupes d'études se mirent aussitôt au travail pour définir cette valeur nouvelle, le désespoir. Une jeune équipe conçut aussitôt ce slogan : l'espoir ne peut changer le monde, le désespoir peut tout risquer. Nous avons souri devant ce complément imaginé par d'autres. L'avenir est un leurre qui énerve en vain le présent. Nous avons su aussi que la voiture de nos amis stationnait si près que Raymond avait pu y précipiter Michel blessé à la poitrine et la voiture filait vers la banlieue avant sirène, barrage, contrôle. Nous apprendrons plus tard la fin de Michel dans la voiture qui devait servir à le sauver. Et son enterrement aussi discret que celui de notre première victime. Nous n'avons pour l'instant qu'un seul souci. Savoir si notre système de cloisonnement est efficace. Et il l'est, en effet. Dans un monde où la dissolution de tous nos repères sociaux se double du perfectionnement continuel des systèmes de surveillance et de répression. Nous regardons pourrir les restes de la gauche et fleurir les idées de droite, tandis que devient populaire le seul parti de ce bord-là que tous les autres ont cru marginaliser. Nous sommes étonnés que son succès soit couramment attribué à la popularisation des idées réactionnaires, alors qu'il doit bien plus au réveil, généralisé par la crise, du vieux besoin d'un salaire en progression et d'un avenir assuré. Nous savons trop que ce temps ne reviendra pas tant que l'économie tiendra le pouvoir. C'est pourquoi nous avons choisi de désespérer et non de peiner. Nous faisons partie de ces transfuges. Ils ne supportent pas d'être des privilégiés. Il faut le choix de la dissidence, de la marginalité, de l'absence de domicile, de l'alcool, de la drogue. Nous préférons la perdition au salut, les actions désespérées au bon placement. Nous avons fini par animer un mouvement à la suite de rencontres, discussions, d'engagements ponctuels, de déceptions. Et à la prise de conscience que les grandes manifestations organisées par les syndicats n'avaient pour seul dessein que de fatiguer notre révolte. Nous avons à présent des bureaux, un journal, des dizaines de sympathisants qui nous masquent d'une sorte de normalité militante. Nous ne saurions afficher comme référence principale les trois meurtres qui résument pourtant le vrai sens de notre projet. Faire que les profiteurs et serviteurs du régime libéral se sentent un jour en danger.
Nous en sommes réduits dans un premier temps à dissimuler nos actions pour que le résultat n'en soit que plus flagrant et génère la peur. Nous savons que cette peur qui nous rend dangereuses nous rendra de plus en plus vulnérables. Nous avons perdu notre premier mort, Michel. Ils ne sauront que plus tard qu'il a été enseveli dans un pâturage de l'Aubrac, où une pierre anonyme représente le seul repère de sa tombe. Nous n'avons pas souffert de la frénésie policière excitée par la mort du haut fonctionnaire. Mais cela n'est en rien rassurant. Il nous incite à redoubler de précautions. Nous avons quelques bonnes nouvelles côté explosif. Le correspondant ne désespère pas de réussir à charger un corps comme on charge une cartouche ou un obus. Attend que l'autre de nous quatre mène sa journée comme à l'ordinaire. Nous lisons quantité de gros titres et assistons à un débarquement policier réclamant des comptes à propos de éloge du cadavre. Nous faisons part de notre surprise d'être lus à contre-temps, mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Et récoltons menaces d'amende et de garde à vue, fouilles saisies de liasses de brouillon, et ceci n'est qu'un début. Est-il signifié à la fin? Nous apprenons bientôt que le gouvernement va aggraver les lois antiterroristes et renforcer la garde des personnalités. Félicitons les jeunes cadres de leur influence sur la politique de la nation. Mais aucun ne réagit à cette allusion qui manque du mot. Nous admirons cette distance tout en remarquant que la réussite du meurtre rendra plus difficile les prochaines éliminations. Nous avons d'ailleurs dû supporter de nouvelles investigations de la police. Perçoit bien que notre territoire est douteux, sans y découvrir ni trace, ni rien. Nous sentons grandir l'obligation de frapper un coup décisif. L'heure est venue du suicide de l'une d'entre nous. Nous voulons que ce suicide soit une fin et un début. Bref, un exemple. Nous avons cessé de penser sacrifice et cérémonie. Mais la préparation de chacun de nos attentats relève de la cérémonie et se termine bien par un sacrifice. Nous sommes gênés par ce constat qui introduit une surcharge de valeur où nous souhaitons seulement distance et nudité. Nous voici tout à coup devant un étrange abîme. En essayant de nous représenter non pas la mort de l'autre, l'avons-nous d'ailleurs vraiment vu? Jamais vu. Non pas la mort de l'autre, mais la nôtre quand nous appuierons sur le détonateur. Nous n'aurons pas le temps de mourir. Nous n'aurons pas le temps de mourir à cause du passage instantané de la vie à la mort. Nous sommes là devant l'impensable, par incapacité d'imaginer, de concevoir la transition, le passage. Comment glisse-t-on de la vie dans la mort? Nous n'aurons qu'à nous souvenir de cette jeune Palestinienne qui n'avait que 18 ans quand elle appuya sur le détonateur de sa ceinture d'explosifs et dont la foule acheva de déchiqueter le cadavre au lieu de comprendre un acte de désespoir qui engageait toute la société. Nous n'avons pas envie de nous rendre à l'évidence que tout acte terroriste est un acte désespéré et qui ne survient finalement qu'en désespoir de cause. Nous devrions nous représenter comme un lavement radical qui vide le corps de toutes les sottises politiques pour n'y développer que la seule résistance. Et avant tout la résistance à l'avenir, aux illusions de l'avenir. Nous sommes pressés par le désespoir.
prétend depuis trop longtemps vouloir changer la vie, alors qu'elle désespère seulement nos valeurs vitales. Il est temps que nous retournions contre elle ce désespoir au prix de nos vies. Nous ne relevons d'aucune filiation, ni du côté des nihilistes, ni du côté des anarchistes, juste de quelques ressemblances. Nous inventons, sans doute maladroitement, une protestation dont l'originalité tient à son complet désintéressement. Nous ne rêvons pas du pouvoir, mais de l'anonymat. Nous ne voulons pas tuer au hasard pour semer la terreur et déstabiliser. Donc nous voulons au contraire sélectionner des victimes exemplaires parmi ceux qui oppriment sans apparaître et prospèrent dans l'ombre. Nous abattrons aussi quelques-unes de leurs marionnettes gouvernementales qui jouent à exercer un pouvoir pour l'apparence de leur économie, qui exerce ce jeu avec une complicité criminelle. Nous avons été plus efficaces en tuant deux grands banquiers que nous ne le serons en abattant un chef d'État ou un ministre. Mais notre action doit-on passer par l'un ou l'autre de ces meurtres pour devenir symbolique et peut-être même populaire? Nous entrons dans cette période préparatoire et il est capital pour la suite de notre projet de nous masquer mieux que jamais. Nous agitons par conséquent les vieux oripeaux gauchistes dans notre journal comme devant nos militants, tout en les assaisonnant de propos discrétants. Comme disaient autrefois nos amis les Grises, nous avons ainsi publié un article tournant en dérision toute forme d'engagement politique. Puisque la révolution porte au pouvoir des régimes répressifs, nous terminions par un que faire, suivi d'un large blanc, suivi d'un énorme point d'interrogation. Nous avons publié ces deux mots et le point d'interrogation à la une du numéro suivant, le tout souligné par un large blanc, au-dessous duquel venait cette proclamation: la politique est la solution qui prive de solution tous les conflits sociaux. Nous proposons d'en finir avec la politique et de faire appel au seul désespoir. Il faut désespérer tous nos contemporains au lieu de les illusionner avec des promesses ou des produits virtuels. Le désespoir est la seule issue qui donne sur l'absence d'illusion, donc vers l'action directe. Nous avons retrouvé le succès avec ce numéro et reçu une convocation à la préfecture de police.